C'est bien connu, être charismatique, ça plaît. Est-ce que ça veut dire que chercher à plaire, c'est charismatique? Non, l'inverse n'est pas vrai, et c'est un des nombreux paradoxes de la séduction. Comment ça marche? Bah, chercher à plaire, ça fait fuir, parce que chercher à plaire, ça se communique qu'on a une faible valeur par rapport à la personne qu'on cherche à, dont on cherche à, avec qui on cherche à plaire. C'est-à-dire que c'est supplicatif, c'est désespéré. Et ça vient d'une posture comme étant dans le besoin d'être en lien. Le principe, bah, c'est quoi l'inverse de chercher à plaire? Est-ce que c'est chercher à déplaire? Non, bien sûr que non. Si on cherche à déplaire, on va pas être séduisant non plus. L'inverse de chercher à plaire, c'est de s'exposer authentiquement en prenant le risque de déplaire. Donc par exemple, si vous avez envie d'aborder calmement plutôt qu'avec de l'énergie, bah, vous pouvez. Si vous avez quelque chose qui vous chiffonne, vous pouvez en parler. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un et que vous voyez les choses autrement, bah partagez votre opinion. Voilà, c'est une telle démarche, c'est quelque chose d'authentique, c'est quelque chose qui est perçu comme rafraîchissant. Donc je dirais que pour mettre en pratique, c'est se donner le droit d'être aligné dans ses pensées, ses paroles et ses actions. C'est ça l'intégrité de la communication et c'est séduisant. Je suis Alex Wagner, c'était la Minute MK sur Morning Kiss.